Hello! Oui, alors je vais désamorcer directement, hein, je suis jeune, voilà. Alors, si vous demandez quel âge j'ai, en fait, moi je suis né en 1999. Ouais, certains s'en souviennent, hein, très clairement. Pour mettre un petit contexte historique de cette année-là, à l'époque, Kofi Annan était secrétaire général de l'ONU, Joël Robuchon avait une émission culinaire à la télévision, et Nabila terminait son école enfantine. Et si je vous parle de Nabila, c'est parce qu'une semaine avant la mort de Kofi Annan, j'ai fait un sketch sur lui. Une semaine avant la mort de Joël Robuchon, j'ai parlé lui dans un de mes sketchs. Donc si tout se passe bien... D'ici une semaine, vous me remercierez. Très content d'être ici à Montreux. Moi, je viens de Genève, donc je suis venu en fait en Uber. Donc, parce que j'ai la chance d'avoir un Uber privé. Ouais. Patricia, 55 ans, indépendante. Bon, ok, ma mère. Vous l'avez sûrement remarqué quand je suis monté sur scène, mais ça se voit, hein, je suis pas un mec viril. Là, tu m'as vu monter, tu t'es pas dit, tiens, voilà le nouveau bigard. Tu m'as vu, tu t'es dit, tiens, voilà l'enfant Kinder. Non, je pense qu'en 2019, on a le choix d'être un mec viril ou pas. Et moi, clairement, j'ai fait ce choix. Je suis pas un mec viril. Moi, tu me donnes une bonne couverture et une petite verveine, je sors plus de chez moi. Et je pense que c'est important, les gars, faut qu'on assume un peu, tu vois. Est-ce que je suis le seul gars ce soir à passer de la crème hydratante? Je pense pas. Est-ce que je suis le seul gars à chanter sous la douche? Je pense pas. Est-ce que je suis le seul gars à aller le week-end à la garçonnière pour rencontrer Zélia, 1m90, une femme mûre à la voix suave d'un baryton avec la mâchoire aussi carrée que la mentalité d'un appenzellois qui emmènera ensuite à Rio pour que je retourne le festival avec elle dans ma robe à paillettes? Peut-être. Non, moi je comprends pas pourquoi pour un mec c'est normal de chialer devant un match de foot, mais pas devant Desperados Wives quand Brie se fait larguer par Mike à l'épisode 2 de la fin de la saison 8, tu vois. Moi, c'est sûr, le sport, moi j'adore le sport, mais le problème, c'est que mon sport préféré que je pratique depuis que je suis tout petit, il y a l'opposé de cette image de virilité, de mec sexy. Moi, mon sport préféré, c'est le ping-pong. Je suis ce qu'on appelle un pongiste. C'est pas du tout viril, un pongiste. Jamais tu verras une pub pour un parfum avec un pongiste. Jamais tu verras un calendrier de pongiste. Jamais une femme va venir vers moi et me susurre à l'oreille: prends-moi sur le filet, cochon de pongiste. Tu veux dire, le truc le plus fou que j'ai fait en 10 ans d'entraînement de ping-pong, c'est des tournantes. Dernière chose par rapport au ping-pong, c'est le seul sport où son nom vient du bruit qu'il fait quand tu le pratiques. Tu vois. Parce que les autres sports, c'est pas comme ça. Tu vois. Un pilote de Formule 1, il va te dire « je fais de la Formule 1 », il va pas te dire « je fais de la... » Je te jure, des fois, je me dis, j'aimerais être un mec viril, parce que je me dis, imagine, un soir, je suis en train de me balader comme ça avec ma copine dans un endroit très chaud de la région, genre le marché de Noël de Montreux, et là, on se fait agresser physiquement. Peut-être que ma copine attendra de moi que je me sacrifie et que juste de la violence pour la défendre, tu vois. Et ce qu'elle sait pas, c'est que moi, bah, j'attendrai exactement la même chose d'elle. Il y a une seule femme pour qui vraiment je serais prêt à me sacrifier, c'est ma maman. Ouais, c'est chou, hein. Non, parce que si elle meurt, je serai obligé de prendre le bus, en fait. Non, c'est un peu à cause de ma mère si je suis pas très viril, parce qu'il faut savoir qu'à cause de ma mère, je suis moitié brésilien. Et quand je parle portugais, clairement, t'as l'impression de voir une danseuse de samba. Acabei de matar um porco minhas mãos. C'est pas viril. Pourtant, je viens de dire que j'ai assassiné un porc à main nue. Le seul point positif, je me dis au moins, de ma non-virilité comme ça, je vais jamais être pris dans des affaires genre « Me too, balance ton porc et tout ». Moi, je comprends pas les mecs qui font ça, je comprends pas. Moi, j'arrive pas. Moi, c'est pas possible. Je suis désolé, hein, mais j'arrive pas. J'ai essayé pourtant, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, elles sont toutes consentantes. Non, mais je me dis, en fait, faut juste que j'assume ça, peut-être, tu vois. Que j'assume que voilà, enlever cette image de virilité de mec forcément dur, dominant, sauveur, hein, qu'on arrête avec cette image de pompier. Arrêtons avec les pompiers. Non, parce que moi, pour 2020, j'ai un projet de calendrier, il me manque 11 pongistes. Et j'ai déjà mes pauses, tu vois, septembre, octobre, février. Et là, tu te dis, heureusement que c'est le mois le plus court. Merci beaucoup, je m'appelle Bruno Péquiste, c'est un plaisir.